retour. To the funny farm where life is beautiful all the time. Retour à la normale. Après une tentative ratée de carrière politique à Barcelone, Manuel Valls est de retour sur la scène politique française. L'ancien Premier ministre de François Hollande se sent réhabilité par les débats d'aujourd'hui. Si je reviens dans le débat politique, c'est parce que quand j'ai parlé des gauches irréconciliables, quand j'ai été l'un des premiers responsables politiques à m'élever contre les dégâts, les dangers de l'islamisme et de l'islam politique, on m'accusait au fond, d'hystériser le débat. Aujourd'hui, ces sujets sont partout, entre le projet de loi contre les séparatismes et les polémiques sur des réunions interdites aux Blancs. Manuel Valls se sent pousser des ailes. Tous ces discours, je les connais. Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Il a donc écrit un livre. Mais comment être à nouveau désirable en France après l'avoir quitté pour tenter de séduire la belle Barcelone ? Je vois que vous m'entraînez déjà dans les débats d'actualité et mon livre précisément traite de ces questions. En tout cas, il n'oublie pas de citer son livre disponible dans toutes les gares. Pour fêter le retour de Manuel Valls dans la vie politique française, la journaliste Sonia Mabrouk lui a offert une belle question hier. Que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste, en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé. Vous l'entendez, cela ? Non, je ne l'entends pas. C'est étonnant parce que je crois qu'on lui a dit dans plusieurs langues, en français, en espagnol, en catalan aussi. Je ne suis candidat à rien. Ou sinon, au débat. Et je le démontre à travers un livre. Hop là, troisième mention du livre. De retour dans le débat politique français, Manuel Valls souhaite apporter sa pierre, mais surtout apporter son livre. Mais ce livre, c'est aussi tout simplement celle de l'unité d'un homme, par ses passions, sa culture, son goût de la peinture et des livres. Et oui, le goût des livres, en vente au prix Malin de 19 euros dans toutes les librairies. Vous n'avez pas rêvé, Manuel Valls parle de lui comme d'un personnage de roman, un homme guidé par ses passions, sa culture, son goût de la peinture et des livres. Qui explique son amour. C'est un cri d'amour pour la France. Mais wow, ce livre, cette déclaration d'amour à la France, atteindra-t-elle le cœur des Français ? Le problème, c'est cet autre livre, cet ouvrage que Manuel Valls a publié en 2018, Barcelona, Vuelvo a casa, Barcelone, je rentre à la maison. Encore une déclaration d'amour. L'ancien élu du Parti de la Rose est décidément très fleur bleue. Quel cœur d'artichaut. Je n'ai qu'un amour, c'est Susanna, c'est mon épouse. Non mais bien sûr, vous m'avez compris. Eh bien oui, mais si, je... Ça devient gênant. Ouais, vous l'avez compris, Manuel Valls est de retour avec un message. Il aime la France et Susanna. Et si vous n'avez pas bien compris, il va encore vous le répéter. C'est toute ma vie, vous savez, la France. Toute ma vie, parce que moi je suis un enfant naturalisé. J'ai appris la France grâce à mes parents, grâce aux livres. Et oui, les livres qui peuvent être de belles déclarations d'amour à la France ou à Barcelone, ça dépend des années, en vente dans tous les relais. Grâce à la musique, grâce au cinéma, pour ça que je parle de Depardieu, de Vianney, de Blanche Gardin. Je suis devenu français grâce à des hommes et à des femmes comme Robert Badinter. C'est ça la grâce et à des héros comme le général cela qui vibre en non, vous, non, mais non, en quoi, Sonia Marie, en quoi c'est ça la France. Depardieu, Badinter, la baguette, le béret, la tour Eiffel, petite femme, Montmartre, on dirait les souvenirs d'un touriste américain. Pour conclure, une dernière question, c'est cadeau, c'est pour moi, ça fait plaisir, de Sonia Mabrouk. Mais en quoi un carbonisé de la politique peut être utile à son pays ? Parce que j'ai eu raison sur bien des sujets, je reviens dans le débat politique au nom des idées. Et parce que la France, précisément, ce sont des idées avant tout. C'est une magnifique idée d'être français. Et c'est le sens de mon livre. Hop là, 38e mention du livre. S'il ne parvient pas à revenir en politique, Manuel Valls pourra sans problème être vendeur à la FNAC. Retour à la normale. 6h-9h. Un ovale jour se lève.